Vacuum. Vacuum. Vacuité. Vacuité vide. Se dire ce qui est vide. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, Chicha. Tu viens à l'école à quelle heure? Ok. Et alors, c'est ça? Je t'ai dit, regarde là comment tu es sale. Tu ne peux pas te changer avant de venir à l'école. Monsieur le directeur, tu ne peux pas parler de mon vêtement. J'ai porté ça seulement hier. Il t'a déjà dit que quand tu pars faire ton motoboy là, dès que tu finis, tu te changes quand même avant de venir en classe. Monsieur le directeur, avec tout le respect que vous devez. Normalement, quand il vient souvent, j'entre directement dans ma salle de classe, je travaille avec mes enfants. Donc, si il vient vous parler comme ça, là, c'est pas qu'il veut vous saluer, c'est que vous posez un problème. Maca est fini. Chicha, les cours de politesse que tu donnes aux enfants là, donc tu crois que c'est valable seulement pour eux, quoi? C'est moi qui enseigne ça. Ok, parlons d'autre chose. Alors, d'où vient-il, toi, le grand chimiste, fabricant de craie de pain Cap Michel, d'où vient-il que tu viennes commander des barres de craie chez moi? Mon concombre est fini. Je ne peux pas être là et meurs de faim parce que j'ai en train de fabriquer la craie avec mon concombre. En plus, il a suffi que vous avez donné la craie à maîtresse Frida. Donc, moi, je suis venu avec ma part. Si vous ne donnez pas, je vais dire à Raïssa. Et vous-même, vous la connaissez. C'est votre fille, non? Franchement, discuter avec toi, non? C'est une véritable gageure. C'est une pure perte de temps. C'est une vacuité. C'est une vacuité indescriptible, indicible. Prends deux barres de craie là-bas, dans mon sac. Discuter avec toi, c'est d'une vacuité. C'est une gageure. C'est une quoi indescriptible. Un jour, je serai directeur. Hein, c'est la craie. Pendant qu'on y est, il n'est pas là. Je suis obligé de prendre ses mains d'eux. Voilà. Discuter avec toi, c'est d'une vacuité, une gagie, un salaud. Madame Frida, j'aime beaucoup quand ton bensikineur ne vient pas. Ça me plaît jusqu'à... Pourquoi tu es fâchée seulement comme ça, non? C'est quoi? Hein? Je suis obligée de rire avec toi. Pourquoi à chaque fois que mon mototaxman ne vient pas, tu es toujours obligée de m'ennuyer avec tes histoires inutiles? C'est quoi? Ouais, mais est-ce que c'est le problème seulement, non? C'est à cause de moi si ton bensikineur n'est pas venu? C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Parce que tellement tu pries qu'il ne vienne pas pour commencer à m'agacer en coup de route. Laisse-moi tranquille. Tu n'es pas obligé de me parler. Tu n'es pas obligé. Tu peux me voir passer là. Tu vas à gauche, je vais à droite. Donc toi et moi, on doit marcher comme ça et ne parle pas. On a un problème de Tudja. Celui-ci me veut quoi? Tudja. C'est quoi? Tudja. Il y a quoi? Madame Douala, bonsoir. Tudja, à qui propose un business pour you? Toujours les mêmes histoires de bas étage. Je m'en vais. Je discute avec lui et je viens. Madame Tudja, ne marchez doucement. Il n'y a pas de business for you. Tous les jours, je sais, ils want Kevin. Me, leave your class. Kevin, leave. Kevin, sort. Kevin, sort. I have business for you. I don't discuss with the appel de Kevin. Un business où Kevin yes. Doit s'y quitter. L'appel de Kevin. Il veut donner un petit l'argent. Kevin, leave your class. Ça commence déjà à m'intéresser. Si c'est que ça doit retirer Kevin, dis-moi. Yes. Le problème, les ventes. Le problème maintenant, c'est la cash. Caché. I don't see for director in bureau, in office. I see with the bag. So if you give me cachet, we'll give you money. Kevin, leave your class. Attends. Donc ce que j'ai à faire, c'est aller prendre le cachet. Donne-moi le cachet. Pour qu'on signe le bulletin de Kevin et il va en sixième. Oui. Donne l'argent. Pourquoi toi tu ne peux pas chercher ta tante? Oh, teacher, you don't worry. Use your head. Use your head. Make money, Kevin, so. Attends, tu es sérieux que... Non, moi, tout ce que j'ai fait... Yes. Non, Kevin quitte ma classe. Oui. C'est un business où Kevin oui. Sort de ma classe. Yes. Et après, j'ai l'argent. Il prend l'argent. Aide. Yes. Ça, tu auras le cachet demain. Yes. Donne-moi le cachet, l'argent, tout. J'espère que j'aurai au moins 5 ans mis dans cette affaire.
50 000 à cette affaire, Kevin n'a moche. Il blessait Kevin, Kevin ne ressalit pas moche. Il va te dire. Non, Abouki, attends. De façon, je te donne un cachet, demande. Oh, yeah, oui. Demande. Teacher. Yeah. It's not this business to you. It's not this business to you. It's not this business. Let me go. Madame Fida. En 6e, que vous fabriquez le bulletin du coup moins 2, mais que j'ai inscrit en 6e. Moi, fabriquer oui, le bulletin. Oui, je vous ai remis une forte somme d'argent. Pourquoi vous me fabriquez le bulletin du coup moyen 2? Est-ce que j'ai inscrit mon fils en classe de 6e? Avant aujourd'hui, est-ce que vous m'avez déjà vu, monsieur? Vous me connaissez? Vous m'avez remis l'argent à quel moment? C'est vous le directeur de cette école? Oui. C'est vous qui avez pris mon argent? Vous me connaissez? Vous me connaissez? Ah bon? Vous m'avez remis l'argent à quel moment? J'ai remis l'argent à votre vigile. Mon vigile? Mon vigile! Ah, Seigneur Pasto, viens ici! Pasto! Mec, qu'est-ce que c'est ça? Voilà! C'est lui! Ce monsieur prétend qu'il vous a donné de l'argent pour lui fabriquer le faux bulletin. Dis la vérité, dis la vérité, tell you the truth! La vérité. Naïve des problèmes, c'est toi qui as des problèmes. Qu'est-ce que j'ai fait? Yes, Eve, tous les jours. Il détecte qu'il y a un stamp, tu es attaché, il go. If you don't leave your attaché for on your table, if you don't use them, tout le monde, tous les jours, tu peux t'en faire back. Dans le sac de ton bureau, if you don't leave your attaché, if you don't finish them. Ah. Maintenant, the one who peut tuer, the one kill you. Ah bon? Donc, normalement, je devrais laisser les cachets pour que tu puisses fabriquer les faux bulletins. Donc tu trouves que le fait de mettre le cachet de l'État dans mon sac, c'est un délit. Comme ça, il faut qu'on me tue pour ça. Hein? Écoute, j'en ai marre. J'en ai marre. Et c'est bon pour lui. C'est bon. Maintenant, c'est bon. Appelez-moi ce que je veux. Ah bon? Donc c'est comme ça, c'est ma faute maintenant. Écoute, monsieur, c'est moi qui suis fâché maintenant. Donc à partir de maintenant, toi et votre enfant là. Oh, alors, appelez-moi le que veux là. Si je comprends. Appelez-moi le que veux ici. Vous appelez-le. Même chose dans cette école. Qu'est-ce que c'est que ça? Un marotru, il vient ici me cravater. Ah bon? Oui, 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 oui. Je le dis. Je vais Je n'ai pas volé aujourd'hui, je n'ai pas volé. Ah, c'est un miracle. Tu n'as pas volé aujourd'hui. Je n'ai pas volé. C'est magnifique. Non, c'est génial, c'est bien. Mais là, tu vas partir avec ton père. Tu pars avec ton père. Oui. Kevin, on va partir. Quoi? Les enfants, vous savez quoi? L'État m'appelle. Servez-vous. Tu vas partir avec ton père. Non, monsieur, je n'ai pas parti. Kevin. Bien, je vais aller t'inviter en classe de 6e. Ouais, calmez-vous, vraiment calmez-vous. Nous sommes dans un pays de paix et les chamans ne sont pas bien, hein? Ah, madame. En fait, monsieur, j'ai suivi 6e. Mais votre fils, là, il est un peu bête. Hein? En fait, il est bien bête. Mais comme je ne veux rien rater, mieux je suis la scène. Madame Tian, vraiment, ça ne vaut pas la peine, je suis fâché. On a tout fait même pour qu'il ait aussi. Il a refusé. Donc là où il est là, mieux il part. Voilà, pardon. Mais on va partir. Je vais t'aller t'inscrire en classe de 6e. On est là, tout, c'est pas pour qu'il a fait peu. Tu vois, tu parles le mec à 6e. Ah bon? Tous mes amis se moquent de moi au quartier. Que mon enfant est calé à la cile. 17 ans à la cile. Tu, comment? Toi, tu as juste pensé ici. Je vais aller t'inscrire en classe de 6e. Pour que tu prennes la tenue comme les enfants de mes amis. On va partir. 6e. Non, papa, moi, je ne suis pas 6e. Monsieur, je ne vais pas partir à 6e. Je vais rester dans l'école aussi.
Je vais rester à la cile. C'est moi qui donne souvent coup à mes camarades quand tu n'en es pas là. Hein? Quoi? Monsieur, même déontologiquement, ce n'est pas possible. Vous pouvez, je ne peux pas prendre un élève de la cile pour aller l'inscrire en 6ème. Avant de prendre mon agent. Quelqu'un, viens. Je vais partir avec ton père. Ouais, allez-y. Non, mais c'est là, directeur, pas parti là. Dans ma famille, il n'y a pas parlé enfant. Chez mes oncles maternels, paternels, il n'y a pas parlé enfant. Mes cousins, mes neveux, Kevin, c'est ta maman qui va me dire là où est ta portée. Seigneur pasteur, tout ça c'est de ta faute. Ça, là. Seigneur pasteur, ton poste est en danger. Ne pas passer, je vais rester à la cile. Ta mère va me dire là où est ta portée. Kevin, lâche-moi.